Hey, 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 salut tout le monde! Et toi, et toi, et toi? Voilà, nous voilà pour the day, the great day, the one! Ça y est, j'ai déjà fait la blague à l'épisode précédent. Je m'en excuse, mais today is the day, the wedding day. Je me répète juste un chouille. Pour Cybèle et Louis. Parce que voilà, j'ai tout prévu. Voilà. Ça peut plus durer cette histoire. On va les marier. Tu vois, d'accord, tu vas manger aussi. Non. Il faut un évier et une poubelle. D'accord. Qu'est-ce qu'ils me font ces gens? Ça commence bien. Ok, donc today is the day. Lui, il va pas à l'école. Elle va bientôt mourir. Oui, donc ça craint. Enfin, ouais, elle va vraiment crever dans... Peut-être pas aujourd'hui, mais dans le deuxième épisode, quoi. Dans le prochain épisode, je veux dire. Et on va donc les marier dès qu'ils seront réveillés, les tourtereaux, là. On va les mettre en forme. Et puis, ben, on va partir pour le mariage. Et donc, mademoiselle Cybèle est enceinte. Elle ne le sait pas encore, ça s'est pas encore déclaré officiellement. Mais elle l'est. Voilà. Alors, Lorelai donne une petite friandise du vétérinaire de bien-être. Alors, j'espère que... C'est sérieux. J'espère qu'elle est juste pas malade, parce que franchement, c'est une grosse blague, hein, les trucs du vétérinaire. C'est pour ça que je vous le montre, parce que... Faudrait que vous soyez au courant de si c'est de la daube. C'est ça. Elle a peur de quoi? Mais non, va faire ses besoins, ma pépette. Elle va brosser, tout ça. Tout va... Ah, tu vas... Ouais, voilà, c'est bien. Alors, Cybèle, c'est bon. J'ai entendu parler de ses fiançailles, ouais. Tu vas prendre une jolie petite douche, tu vas aller faire un joli petit pipi, et tu vas manger de tout ton saoul. Et ben ça y est, ta-ta-ta-da-da-da-da. Elle est enceinte pour de vrai. Donc là, il est 9h. Donc dans deux épisodes, ce sera la naissance. Quand en plus, on a toute la chambre de prête. C'est parfait. Ok. Daria, tu fais le ménage. T'arrêtes de jouer comme une... Hein. Toi, tu vas manger et tu vas regarder la chaîne pour enfants. Parce que ça fait faire des plein de bébés en même temps. Bon, il est un peu tôt encore pour le mariage, mais ça va aller. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. On va le faire aujourd'hui. On va le faire très très rapidement. Cette fois-ci, c'est la bonne. Oh, regardez-moi ce ventre. Elle est énorme. Ah, je pense qu'on est bon pour avoir des jumeaux, là, quand même, non? Allez, 1902. Oh, c'est tout! Ça commence à baisser, là. Elle est énorme. Allez, tu lui annonces la grande nouvelle. Tu vas l'annoncer aussi à ta mère, parce qu'elle va être contente, quoi. D'être grand-mère, encore une fois. Lorelai, qu'est-ce que tu fous? Non, viens là. Ouais, vous allez être parents, c'est trop de la boulette. Je sais pas, comme j'insiste un peu sur le fait d'en avoir plusieurs, on va peut-être en avoir plein des bébés. Bon, on est 6, donc on en aura que 2 max, quoi. Mais Lorelai, à mon avis, elle va partir avant la naissance. Mais là, vu le ventre qu'elle a, on est franchement au début de la grossesse, quoi. On est au premier trimestre, s'il te plaît. Il y en a au moins 2 là-dedans. Alors, non, hein, on n'a pas... Ouais, et en plus, ça fait partie de son aspiration qu'il faut qu'elle corrige les animaux. Être une compagne pour un animal. Cool! Ça fait 1 sur 2. Voilà, elle m'en dit pas la nourriture. Bon, dépêchez-vous de manger, tout le monde. Dépêchez-vous de manger et on crée... Toi aussi, mange, Lorelai, dépêche-toi. On va faire le mariage. Oui. Je le veux, ce putain de mariage. Ça fait 10 ans que j'en parle, ce mariage. Allez.
On est parti organiser un événement social. Lorelai, c'est toi qui vas tout orchestrer. Tu es l'orchestratrice de ce mariage. Yeah! Allez, c'est parti! Oh non. Mais vous êtes sérieux? Mais ils sont fiancés, bon sang de bonsoir! Mais c'est les mariés qui doivent faire... Oh! Mais... Je vais péter un câble! Ah! Je vais péter un câble, ce n'est pas possible, ça! Bon, désolé, hein. Je fais des accents de merde. Allez, je veux ce mariage, j'en peux plus, moi. Mariage. Oui. Ah. Tout ça pour ça. On va emmener Daria, Enguerrand, Lorelai, Jérôme, Isabelle, parce que c'est les parents de Louis. Ce serait dommage, sinon. Alors, les mecs avec qui elle a flirté, non, hein, parce que ça le fait pas. Adélaïde, Brunhilde, évidemment. Fauve. Oh, Fauve a grandi. Waouh! Ouda! J'ai envie de dire, il en manque, non? Elle peut pas inviter les animaux? Non. Eh oh, ça a tout désélectionné. Elle a pas la sœur. Girard, attendez. Non. Mais elle a pas toutes ses connaissances. Mais Fauve, elle a grandi! Elle a une tête un peu... Un peu bizarre, elle fait très manga, je trouve. Bon, bah écoutez, hein, on va voir ça. On va recruter le traiteur, on va recruter le mixologue, on va recruter le musicien. Et on va aller. Alors, c'est là où on avait été pour le mariage de. Voilà. Ça, c'est moi qui ai fait ce parc et disponible dans la galerie, hein, sous mon idée origine. C'est à Jean Shirley, c'est pareil que ici sur YouTube. Que la dernière fois ça n'avait pas marché, donc j'espère que ça va marcher. Ah ouais, nous allons tout de suite pour le mariage. Et voilà. Et voilà. Ok, alors. Les gens, va falloir s'habiller. Qu'est-ce que c'est? C'est ça ta tenue Ta tenue de demander d'avoir une tenue habillée. Toi aussi, tu vas demander à ton... Il va pas être habillé comme ça quand même, faut pas déconner. Demander à avoir une tenue habillée. Toi aussi, tu vas t'habiller... Qu'est-ce qu'il est sexy, ce mec. Ah là 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 là, s'il pouvait être bien comme ça. Ok, toi aussi, tu vas t'habiller. D'habitude, ils le font automatiquement, non? C'est moi qui... Ta tenue habillée, ouais, t'es comme ça. T'es tellement mal gaulé, mon pauvre Enguerrand. Lorelai, bah t'es pas mal comme ça. On va t'habiller quand même. Ah ouais, c'est cette tenue-là. Je me souviens. Daria. Tu vas aussi t'habiller tranquillement cette tenue-là. Ok. Alors, vous voyez, c'est le parc que j'ai créé. C'est un petit oiseau. Avec une église pour faire le mariage, quoi. La dernière fois, ça avait été un vrai fiasco parce qu'on n'avait pas pu faire l'événement. Au moins là, c'est bon, on a l'événement. Donc c'est déjà très très bien. Qu'est-ce que... ils ont pas formé un groupe? Attendez. Action. Former une bande. Ouais, Daria, Siverna. Tac, tac. 8 sims au maximum. Ouais, mais Adélaïde et Brunhilde et tout, là. Ils sont pas là? Ils sont peut-être au boulot. Oh, mais non, moi, je voulais voir Fauve aussi. Bon, c'est pas grave. On va aller ici ensemble. Comme ça, au moins, c'est fait. Pour le mariage. D'accord, c'est leur tenue d'habiller, ça. Oh, Lorelai... Excusez-moi, pas Lorelai, mais... T'es fat, hein, ma belle. Tu vas te changer aussi, hein. Tu vas venir là. Tu vas te changer. Te mettre ta tenue de mariage. Et puis on va procéder au mariage. Faire en sorte de remercier un invité de sa venue. Ok. Alors, tu vas t'habiller en petite mariée. Je crois que c'est ici. Hop!
C'est un peu, il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. Alors, on va remercier d'être là. On va remercier sa maman d'être là. On va remercier sa belle-mère d'être là. Voilà. Mais punaise, ça m'embête. Il faut qu'elle soit là. Tiens, Fauve, hop. Adélaïde, hop. Brunhilde, hop. Même le mari de Brunhilde, de comment il s'appelle ? D'Adélaïde, s'il n'est pas là. Oh, Caleb. Tu. Ben non, il m'en manque. Est-ce que Cybèle le connaissait pas ? Il y a beaucoup d'animaux dans son truc, mais... Ouais. Ok. Non, ben, je sais pas. Ah, mais Coco, on va la faire venir quand même, non ? On peut pas la faire venir, Coco. Ah si, ça y est, Coco est là. Quand même ! Mince, qu'est-ce que je fais ? Ok, alors... Tu vas aller les faire en sorte que les fiancés se font des bisous. Eh ben, tu vas embrasser les mains. Tu vas faire un... tu vas l'embrasser. Tout simplement, fais en sorte que les invités regardent la cérémonie. Ouais, ce sera le cas. Viens là. Alors, voilà la petite demoiselle. La mariée. La mariée en blanc alors qu'elle est enceinte. Mais on s'en fiche, hein. Ouais, c'est beau. Wouhouhou! Alors, discuter ici, on est bien. Maintenant, on va se marier. Est-ce que tout le monde est là? Attendez, avant que... Qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui fais pas la misère quand même. Écoutez les incertitudes de Cybèle. Est-ce que tout le monde est là? Tiens, il y a Ouda, faudrait peut-être qu'on l'appelle. Appeler. Ah oui, non, alors je veux que ce soit Cybèle qui l'appelle. Tu vas l'appeler. Où sont les autres? Je vais pas regarder si... C'est qui ça? Clémence Morel, non? Ce parc est très très mignon quand même. Là, j'ai fait un espèce avec des petits box super sympas pour les amoureux. Là, j'avais fait... Ah bah, elle est là, Adélaïde. J'avais fait d'abord les toilettes ici avec une douche quand même, histoire de pouvoir... on sait jamais. Hein. Vous savez, quand on sort avec les Sims, d'un seul coup, ils ont une envie furieuse de se laver. Mais ça... Ça, c'est une tenue... Ah mais si, c'est... C'est une des Sims que j'avais créé avec un challenge génétique. Et effectivement, elle s'était retrouvée dans une tenue un peu spéciale. Qui c'est ça? Non. Non. Plus... Et Brunhilde, elle est pas là? Bah non. Coco est là. Coco est là, tu vas l'appeler. Bah, je sais pas où est Brunhilde. Ah, Fauve est là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est pas mal. Ça dit que c'est pas mal, comme quoi, en juste une génération... Mais par contre, elle a vraiment les yeux et le nez pareil que sa mère. Ouais, non, franchement, c'est mignon. C'est mignon. Est-ce que Lorelai, tu peux inviter... Que je mette un peu sur pause, parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps... les enfants d'Adélaïde, tu les as pas dans tes contacts? Ah, tu les connais pas. Comment on fait pour les connaître alors? Ils ont dû grandir entre temps. Mais Brunhilde, elle est où? Oh là là, t'as trop de monde dans ton répertoire, meuf. Elle est là, Brunhilde. Invitée. Bah ouais, quoi, c'est la familia. C'est la familia. Toi, tu vas aussi t'asseoir. S'asseoir ensemble, même, je dirais. Brunhilde est déjà là. Ben, je l'ai pas vue. Ah, elle est peut-être en bas. D'accord, ok, bon. Bon, les mariés, viendez là. Nous allons aller ici et aller ici. Tiens, tu vas ajouter à la bande... Ah, tu la connais pas, d'accord. Est-ce que... Action. Putain, c'est chiant. Bon, ok. Oh, Fauve, c'est trop chou. Tu peux pas l'ajouter à la bande? Non, mais pff, tout va bien, quoi. Hein. Non, bon, tant pis. Alors,
Tu reviens ici tout de suite, ma jolie Cybelle, et on va procéder donc au mariage. Toc toc toc. Qui c'est qui joue aussi mal du piano? C'est pas la musicienne que j'ai embauchée? Si, bah punaise. Allez, c'est parti, se marier avec Louis Girard. Eh, barre-toi, tu joues mal. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as un problème dans ta vie? Barre-toi. Lorelai, viens t'asseoir. Oh là là. Non, allez, mariez-vous là. Marie-toi avec Cybelle. Marie-toi avec Cybelle. On s'en fiche. On va raconter une blague. Allez! Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. The time has come. Oh, c'est trop chou. Ah, punaise, ça me fait encore ça. C'est mignon. Oh, c'est trop mignon. Est-ce que les gens regardent? Ouais. Quelle magnifique cérémonie. Bah ouais. Elle donne des sous à la musicienne, quoi. T'es bien enceinte, hein, ma belle, hein? Ouh. C'est trop chou! Mais qu'est-ce qu'ils sont mignons! Oh, les confettis et tout! Oh. C'est l'amour! Faut faire emménager vos Sims, mais ils vivent déjà ensemble! Ah oui, tu lui as pas dit que t'étais enceinte ou quoi? Bon, franchement, ça se voit, hein. Alors, en termes de robe de mariée, voilà, j'ai mis un truc un peu moderne aussi. Je trouvais que c'était qu'il n'y a que ça qui lui allait. Donc voilà. Oh, Coco! Oh, Coco! Va faire tes besoins, si t'as besoin d'aller faire tes besoins. Donc, les voilà mariés. On va maintenant descendre. On n'avait pas vu ça. Alors, regardez-moi ce que j'avais fait. Une salle de réception. Ouais. Salle de réception, donc comme c'est au sous-sol, effectivement. Pour pas, j'avais mis beaucoup de lumière et puis j'avais fait cette petite chose-là pour dire que comme si on était encore dehors. Je m'étais un peu fait chier, hein, je vous avoue que j'avais mis plein de verdure, tout ça. C'est aussi mignon, alors avec des petits trucs pour enfants et tout, mais au moins ça rend le truc un peu sympathique. Alors, couper la première tranche. Nous avons le gâteau, il est là! Yes! Couper la pièce montée. Allez, les mariés du jour. Ah, Brunhilde est là! Trop cool! D'accord. Alors, la première tranche, ils vont la manger, hein, ensemble. Pas que je loupe ça. Oh, c'est trop mignon! C'est beaucoup trop mignon. Donc, se marier, illuminer la journée, on va se faire des bisous parce qu'on est amoureux. Ouais, lui, il est très enjôleur et elle est très confiante. Il va prendre une pause sexy. Et il va aussi lui faire des bisous. Alors, boire. Bah, ça va, y a du monde qui va au bar là. C'est quoi si je sais qui ça? Non, mais c'est. Ah oui, bah oui, c'est vrai que c'est un parc en fait, c'est pas un endroit privé. Donc, du coup, n'importe qui peut venir. Bah, c'est sympa. Puis comme ça. Ouais, voilà quoi, c'est cool. On va mettre de la musique, puis on va danser. Allumer, musique. Musique électronique. On va mettre la musique forte. Hein. Régler le volume. Élevé. Comme ça, on va danser. C'est un mariage. Alors, c'est un mariage en journée. Alors, danser ensemble. Non, pardon. Comme ça, tout le monde va danser pour le mariage. Ça peut être super sympa. Yes! Je suis contente, ça fonctionne quand même un peu au niveau de l'événement. Attendez, je vais aller en mode table, ce sera plus sympa.
Comme ça, j'ai la musique et j'ai toute notre bande qui danse. Oh, c'est sympa quand même. On a un chevalier qui descend les escaliers, ce qui est complètement normal. Et fauve. La jeune fauve. Alors peut-être que certains d'entre vous vous regrettez de ne pas avoir eu Adélaïde en tant qu'héritière en voyant la tête de fauve. L'ambiance. Tout le monde danse. C'est un mariage, quoi. On s'amuse un peu, les enfants. Alors, manger de la nourriture. Très bien. Alors, je vais baisser les murs. Vous voyez, la petite verture et tout, c'est hyper sympa. Alors, du coup, je vous avais dit, non, il est pas dispo avec la salle comme ça. Donc, je vais le faire juste après avoir tourné cet épisode. Parce que je vous avais caché la dernière fois le fait que... tiens, tu vas aller aux toilettes quand même, ma belle. Je vous avais caché... Oui, je vais y arriver. Je vous avais caché la boîte de trucs de réception parce que ça n'avait pas fonctionné. Donc, je vais le mettre... Il n'y a que une portion, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, bah du coup, on peut pas faire appeler à table. Non, tu vas prendre une portion. Tu vas prendre une portion aussi, toi. Toi aussi, tu vas prendre une portion. Voilà. C'est la folie! Alors, est-ce que tout le monde va bien? Toi, tu vas manger aussi. Bah, tu vas manger un truc. Alors, eux, ils sont cosplayés à fond. C'est groupe de cosplay, donc effectivement. Moi, je dis, la musique est plutôt sympa. Musique électronique. Est-ce que Louis va bien? Louis va bien. Non, alors, tu vas pas être méchant avec. Même s'ils sont pas partis de ton. Du mariage. Par contre, Brunhilde, elle s'est encore barrée? Donc, manger de la nourriture, on est à 0 sur 4. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, accélérer? Alors que tout le monde... C'est cool, en fait. Ils se sont installés et tout. C'est sympa. Il est où, Louis? Ah, il est parti aux toilettes. Tu vas manger un truc, après? Non, mais t'es qui, toi? T'es le traiteur! On peut pas lui demander de faire à manger? Non. Il faut remercier et remercier ses parents quand même. C'est dommage, c'est que Brunhilde, elle est pas là. Je la vois pas. Elle est peut-être encore là-haut. Parce qu'en fait, oui. Ah bah elle est là. Elle regarde quelqu'un qui joue. Bah non, on peut pas appeler. Elle est trop loin. Mais en tout cas, vous voyez, c'est quand même sympa. Enfin, je me suis quand même chiée à faire cette sorte d'église. Pour faire un peu comme nous, on peut se marier à l'église si on a envie de se marier à l'église. Hein. Tout le monde, bien sûr, ne se marie pas à l'église. Voilà, donc je vous repartagerai cette petite chose sur la galerie. Alors j'en suis très fière parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui l'ont téléchargée. Donc je me dis que c'est que cela doit plaire un minimum, donc ça me fait bien plaisir. Alors il reste plus beaucoup de temps. Faut manger les gens, faut manger. Tu manges... ouais. Bah mange, mon beau. Ah, il est content. Hein. Il est content. Et la belle, si belle. Lui, critiquer les... Non, on va pas critiquer du tout les techniques de clac-clac. En tout cas, c'est sympa. Je suis contente que le mariage ait fonctionné. Enfin, que... ouais, que l'événement ait fonctionné. Donc, allez, plus qu'une personne qui mange, la mange, Louis. Non mais elle est partie dormir, non mais franchement. Allez, va pisser. Si tu vas épicer. Toi, si tu veux, va... Toi aussi, va pisser, si tu veux. Comme ça, on voit la jolie fauve. Vous voyez, il y a quand même quelques petites choses, quand même. Elle a des beaux yeux. Franchement, ça s'améliore. Hein. Donc j'ai hâte de voir les petits noobous qui sont dans le bidon. Vous pouvez arrêter de danser, peut-être, non?
Arrête de discuter. Je sais pas comment on fait. Parce qu'en fait, eux, ils sont coincés à danser toute leur vie. Oh, la sœur. Partagez la grande nouvelle. Brunhilde. Elle a quand même un pif. C'est pire que sa mère. Le truc qui fait une pointe. Alors, je suis pas grosse, hein, je suis enceinte. Bon, il manque quelqu'un qui... va remanger un truc. Non, mais va remanger un truc, là. C'est pas possible, il manque quelqu'un qui a pas... Coco a faim, zut. C'est vrai qu'il n'y a pas de gamelle, ici. Ma pauvre Coco. Oh. Bah, je ferai une mise à jour. Enfin, je salerai... je vais le faire maintenant, même. Allez, petite... En live, en direct, nous allons donc mettre une gamelounette. Donc dans la cuisine, espace cuisine, ouais. On va mettre une gamelounette ici. Alors, les murs, s'il vous plaît. Genre comme ça. Et on va mettre aussi une litière. Parce qu'au cas où il y a des chachas minous qui voudraient venir. Bon, alors, dans la cuisine, c'est pas GG, hein, mais je vois pas où je pourrais le mettre. Voilà. Au moins, c'est fait. Qui est dispo? Toi, arrête. T'es sérieuse? Yes! Nous avons réussi le mariage. Médaille d'or. Eh ben, je suis contente. Il y a tout le monde qui se barre. Tout le monde s'en va. Et lui, il continue à danser, quoi. Vas-y, va danser avec ton daron. Par contre, il a une tenue, j'appelle pas ça une tenue habillée, hein, personnellement. Il est déjà 23h, comme quoi le mariage aurait été très rapide. Tu me donnes à manger à Coco. Ouais, c'est bien, elle va pouvoir manger. Ça va ranger, va ranger. Ah, c'est cool, en tout cas, mais je pensais pas que les traiteurs faisaient vraiment... Les gâteaux de mariage, enfin, j'ai déjà fait dans mon truc là, dans mon église, et c'était à nous-mêmes de le faire en fait, donc c'était un peu chiant. Hop! Voilà! On fait le rangement et puis après on s'en va. On va rentrer à la maison parce qu'il se fait tard. Tiens, toi, oui, va plutôt faire aux toilettes, profites-en. Tac, tac, tac. Ouais, et ben on va pas tarder à rentrer. Alors, il y a un truc que j'ai complètement oublié de faire, c'est les photos de mariage. Parce que j'ai installé ce coin-là pour les photos et ben, je voulais faire absolument les photos des mariés et tout. Donc, il faut qu'ils se dépêchent de venir avant que tout le monde meure littéralement de fatigue. Donc voilà, j'ai mis Enguerrand pour faire les photos. J'espère que ça pourrait être sympa. Mais ouais! C'est hyper sympa! On le voit, il bug un peu. Hein. Ah mais Louis quand même, je suis désolée, mais c'est un méga beau gosse quoi. Alors, 2, 3, 4. Parce que comme il a pas de compétences, c'est hyper cool! Je suis ravie. Alors là, je fais une photo de Cybelle et Lorelai, mais par contre, Lorelai, pourquoi tu tournes la tête comme ça? C'est... Attendez. Ah non, ça c'est le zoom. Mais c'est con. C'est complètement débile. Attends, tu vas me refaire une photo. Ah, c'est bizarre. Non, ah oui, non. Cybelle et Lorelai. Parce que la position de Lorelai, ça va pas du tout, quoi. Allez, Lorelai, reviens. Ah, voilà, c'est super sympa. Ça fait un peu peur, mais c'est hyper sympa. Comme ça, on mettra dans la maison. Voilà, je suis ravie. Et maintenant, touc, 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 touc. On rentre à la maison. Tous ensemble, tous ensemble. Hé, hé. Tous ensemble, tous ensemble. Hé, parce que là, la journée... Et fini, le mariage est fait et la journée était longue. Et nous revoilà à la maison.
on va faire une petite pause rapidement. Lorelai, elle est partie dormir, c'est nickel. Ma belle Cybelle, tu vas aller au petit pipi room. Puis tu vas refaire crac-crac avec ton mec. Avec ton mari, excusez-moi. Non, toi, tu vas pas jouer à la poupée. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont tous à jouer à la poupée? Toi, ouais, tu peux aller dormir. Toi, ouais, intéressant. Tu vas juste prendre une douche puisque et après, tu vas dormir. Et puis, on est bien. Et Coco, ça a pas l'air d'aller des masses. Mais après, elle fera sa vie. Voilà. Moi, si je dis avec tout ça, on n'a pas des jumeaux ou des triplés là, avec Cybelle et Louis. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Non, mon gars, tu attends. Attends, attends 2 secondes, gars. Elle va te faire une proposition très honnête. Allez, un petit crack-crack. Dis-moi, tu veux qu'on fête notre mariage? Monsieur, oui madame. Allez go! Au lit. Les amoureux. Et c'est là-dessus que moi... Oups, je vais vous laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu, que le mariage vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Donc je pense que ce sera surtout presque le décès de Lorelai. Il faudra bien y arriver un jour. Et je vous remercie de m'avoir regardé. Donc à très très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Allez, salut.